Tard. Ici Marie Caron du Machin Club en direct de l'école Anne Hébert. Aujourd'hui, nous assistons au spectacle de magie de la rentrée. Est-ce que vous êtes déjà allé à une école du genre Poudlard? Non, je suis jamais allé à une école du genre Poudlard. J'ai appris la magie surtout dans les livres et puis à travers mes rencontres avec d'autres magiciens. Je connais au moins une trentaine de magiciens. Puis entre nous, on s'échange des tours. Alors, c'est pas à l'école Poudlard que j'ai appris. Mais les magiciens qui m'inspirent le plus, c'est pas Luc Langevin. La plupart sont américains, des États-Unis. C'est des magiciens qui sont surtout connus par d'autres magiciens. Parce que Luc Langevin, vous le connaissez, on le voit à la télé. Mais la plupart des magiciens, on les voit pas à la télé. Ils travaillent surtout dans des événements privés, pour des entreprises, des bureaux, des écoles. Alors moi, j'ai beaucoup de livres, de vidéos de magiciens qui sont moins connus, mais qui sont très connus auprès des magiciens. Et mon préféré, il s'appelle Gregory Wilson. C'est un Américain. Est-ce que vous vous êtes déjà trompé devant un public? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Quand ça arrive, c'est moins grave quand on connaît beaucoup de magie. Hein, si tu connais juste un tour de magie, puis tu te trompes, il y a des bonnes chances que tout soit gâché, que les gens ne croient plus vraiment à ta magie. Mais si tu fais un long spectacle, puis il y a juste une petite chose que tu te trompes, moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime faire une blague avec ça. Faut pas que je sois triste, déçu. Je fais une blague, puis je dis, c'est pas grave. Puis on passe à autre chose, puis je fais un autre tour de magie. Ça passe bien. Je vais vous faire un tour de cartes. Très spécial. Okay? Là, je veux qu'on soit sûr que je suis pas arrangé avec personne ici. Okay? Que je suis pas du tout arrangé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer, mais qui me connaît pas du tout? Mademoiselle, ici, on se connaît pas. Je peux rester assis. Alors, je vais sortir les cartes. Je vais te demander, c'est un tour très rare. Peu de gens le font. Béatrice, quand je vais claquer des doigts, tu vas me nommer un chiffre entre 1 et 10. Un chiffre difficile. Prête? Quand je claque des doigts. 7. Maintenant, quelqu'un d'autre. Monsieur, ton nom? Anthony. Quand je vais claquer des doigts, tu vas me nommer la valeur d'une carte. Est-ce que tu connais les valeurs des cartes? Qui les connaît? Tu sais quoi? Les quatre valeurs. Plutôt les sortes. Les sortes de cartes. On a les as, les deux. Quelles sont les quatre sortes qu'on a sur les cartes? Toi, monsieur? C'est le... Pique. Oui. Carreau. Pique, carreau, trèfle. Cœur. Alors, monsieur, tu vas choisir entre pique, carreau, trèfle et cœur. Une sorte quand je vais claquer des doigts. T'es prêt? Trèfle. 7 de trèfle. Et là, ça c'est un tour d'habilité. Je dois le plus rapidement possible retrouver le 7 de trèfle. Et je pouvais pas savoir que t'allais choisir un 7 et je pouvais pas savoir que t'allais choisir un trèfle. On est d'accord? Alors, allons-y. Hop! C'est à peu près ici, je pense. Regardez. J'ai coupé juste ici. On va placer la carte ici même. Ici, c'est le 7 de trèfle. Ça veut dire que j'ai réussi assez rapidement. Voyons voir. Wow! Mais, voulez-vous qu'on le refasse une deuxième fois? Oui. Qui veut que je le refasse? Baissez vos mains parce qu'on ne peut pas le refaire. Et c'est ça qui est le plus merveilleux. On ne peut pas le refaire parce que il y avait juste une carte dans mon paquet. Toutes les cartes dans mon paquet, elles étaient blanches. Toutes les cartes dans mon paquet, elles étaient blanches. Mais là, comment il fallait que je vous fasse choisir le 7 de trèfle. Vous avez choisi la bonne. Mais, est-ce qu'on s'était parlé avant? Non. Et voilà.